Ce jeudi 16 février, Ahmed et Tariq sont de retour sur M6 dans Itinéraire Bis, l'émission diffusée juste après Pékin Express. À l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs, Ahmed nous en a dit plus sur sa vie sentimentale, lui qui est toujours resté discret sur la question. Stéphane Rothenberg reprend du service sur M6. En plus d'être prochainement aux commandes de Top Chef, l'animateur anime aussi la nouvelle saison de Pékin Express qui démarre ce jeudi 16 février. Au total, 8 nouveaux binômes se sont lancés dans cette nouvelle aventure qui traverse 3 pays d'Amérique du Sud, à savoir la Bolivie, le Paraguay et le Brésil. Comme chaque année, les 16 candidats vont devoir redoubler d'efforts pour espérer aller le plus loin possible et peut-être disputer la redoutable finale de la compétition. Surtout qu'une nouveauté pourrait bien redistribuer les cartes du jeu avec le choix secret. M6 a déjà dévoilé quelques extraits de cette édition 2023, notamment la première nuit de Xavier et Cécile, le patron et son employé. Tariq et Ahmed dans Pékin Express, Itinéraire Bis, retour sur les raisons de leur participation après chaque épisode de Pékin Express, les téléspectateurs ont rendez-vous avec Itinéraire Bis sur M6. Et cette année, la production a fait appel à Tariq et Ahmed, les cousins farceurs de la saison 15 diffusée du 10 février au 14 avril 2022. Ils étaient parvenus à se hisser jusqu'à la demi-finale de la compétition, avant d'être éliminés. Dans un entretien qu'ils nous ont accordé, les deux candidats ont révélé les raisons de leur retour dans l'émission. Pour le voyage tout d'abord. C'était une deuxième chance de revoir le monde. Et puis, pour refaire Pékin Express, a confié Ahmed. On avait une revanche à prendre par rapport à notre première expérience où on a été éliminé en demi-finale. On l'a encore un peu en travers de la gorge d'ailleurs, a poursuivi Tariq. Ahmed, un cœur à prendre ou pas? Il nous dit tout dans ce même entretien, Ahmed a accepté de nous en dire plus sur sa vie sentimentale, lui qui n'a rien révélé à ce sujet depuis sa première participation à Pékin Express. Alors, est-il en couple ou célibataire? Je suis célibataire. Je n'ai pas de vie sentimentale pour le moment, nous a-t-il répondu. Et d'expliquer le pourquoi de son célibat, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Voilà qui a le mérite d'être clair. À lire aussi Tariq et Ahmed éliminés en demi-finale de Pékin Express, on est dégoûté. On méritait cette place.